et bienvenue à l'église de Portail en ligne. Je me présente Simon Archambault, pasteur à l'église de Portail. Si tu nous écoutes pour la première fois, permets-moi de te présenter notre église en une minute. L'église de Portail, c'est une église, mais représentée sur pas moins de quatre sites. Laval, Terbonne, Saint-Eustache, Abitibi et Dieu-Volant, pour Pâques 2023, nous ouvrirons un cinquième site situé à Montréal-Nord. Notre mission est la suivante, aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors si tu désires en savoir plus, je t'invite à visiter notre site internet www.égliseleportail.com ou bien notre page Facebook afin de connaître notamment nos différentes heures de réunion, adresses et les endroits où tu peux trouver nos sites. Notre église offre différentes activités hebdomadaires. Nous avons notre service Clic pour les enfants jusqu'à 12 ans, tenu par des bénévoles qualifiés, et ce sur tous nos sites lors de nos réunions. Notre ministère Accès pour les ados ou Portail Jeunes Adulte pour les jeunes adultes se retrouve normalement les vendredis soirs à 19h30. Vous pouvez suivre l'horaire des activités. Sur les différentes pages Facebook respectives, Accès pour les ados et PGA pour les jeunes adultes. Aussi, nous avons des petits groupes qui se réunissent en semaine afin de partager la parole de Dieu et prier ensemble. Vous pouvez écrire à notre équipe de petits groupes à petits groupes avec un S à commerciale-église-portail.com Finalement, nous sommes rendus au temps du message car nous partageons la bonne nouvelle de Jésus à chaque semaine à travers nos prédications. Alors, sans plus tarder, écoutons cette bonne nouvelle aujourd'hui. Bon matin, bienvenue à cette prédication de l'Église Le Portail. Nous terminons ce matin notre série du, sur le livre de Job. Euh, vraiment un, un superbe livre, vraiment qui est encourageant, qui est fortifiant, qui est édifiant. Puis ça commence avec Job, qui est un croyant qui a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a pratiquement perdu son mariage, perdu ses amis, perdu sa santé, son argent, sa réputation, son influence, sa foi. Et la question que Job se pose dans son cœur, au bout de la ligne, c'est, Dieu peut-il me restaurer? Et c'est une question que peut-être tu te poses, tu as des gens autour de toi, tu vois leur vie, tu te poses la question. Est-ce que Dieu peut restaurer? Est-ce que le Dieu de la Bible, est-ce que Jésus peut réparer? Est-ce qu'il peut rebâtir? Est-ce qu'il peut rétablir? Est-ce qu'il peut remettre en bon état? Est-ce qu'il peut remettre dans un état initial? Chacun d'entre nous, nous avons besoin de cette restauration. Et on va regarder ensemble la restauration de Job. Ce que Dieu fait dans la vie de Job, il peut le faire dans ta vie. Hein, dernièrement, il y a plusieurs, dans plusieurs musées, il y a des gens qui saccagent des œuvres d'art. Et ça ne date pas d'hier. Ah, il y a une centaine d'années, quelqu'un est rentré dans un musée à euh, Amsterdam et euh, le veilleur de nuit de Rembrandt était avec un couteau et a lacéré le tableau. Euh, quelques temps après, à la cathédrale Saint-Pierre de Rome, quelqu'un euh, a pris un marteau et a voulu démolir la Pietà, qui est une sculpture de Michel-Ange. Maintenant, lorsque des œuvres d'art sont endommagées, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, mais tant pis, c'est pas grave, on met ça au vidange et on passe à autre chose? Non. On mobilise les plus grands experts pour restaurer ces œuvres d'art. Dieu est le plus grand des experts qui est venu pour nous restaurer. Alors que nous sommes créés à son image, alors que tu étais créé à son image, la vie souvent foi ne nous laisse pas intacts. Chacun d'entre nous, nous avons perdu des choses. Peut-être que tu m'écoutes et tu as même perdu le goût de vivre. Peut-être que tu m'écoutes et tu dis, moi, ma vie est un chaos. Ma vie est un désordre. Ma vie est une blessure béante. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu de la Bible peut te restaurer. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, dernier chapitre du livre de Job. Comment cette histoire se termine après avoir tout perdu? Dernier chapitre, chapitre 42, voici ce que dit la parole de Dieu. Et je te rappelle que tout juste avant, Dieu se révèle. Hein, Dieu reprend Job et voici la réponse de Job. Job répondit à l'Éternel Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est accessible pour toi, n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui a mes desseins par des propos dénués de connaissance hein, Il reprend un reproche que Dieu lui a fait précédemment. Job continue, oui, j'ai fait part sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Et encore une fois, il cite à nouveau Dieu qui lui a dit, écoute-moi, je te parlerai, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Évidemment, c'était ironique. Job continue en disant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz de Théman, ⁇ Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie. ⁇ car vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur, Job. Il de Téman, Bildad de Choix, et de Tophar de Nama, s'en allèrent. Ils agirent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. Maintenant, écoute bien. Verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job, quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Ils lui donnèrent chacun une quésita et chacun un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânes. Il eut sept fils. Et trois filles, il appela la première du nom de Yemima, la seconde du nom de Ketia, et la troisième du nom de Kerinapouk. Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accordait une part d'héritage parmi leurs frères. Et finalement, Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération, puis Job mourut âgé et rassasié de jour. Wow! La première chose qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est que Dieu restaure encore. Maintenant, je répète que personne n'est intact. Chaque personne qui m'écoute, tu n'es pas intact. Si tu écoutes cette prédication avec quelqu'un à côté de toi, tu as le droit de lui dire, tu es endommagé. Lorsque nous venons dans ce monde, nous sommes déjà endommagés par le péché. Et la vie fait soit par nos propres péchés, par le péché des autres, ou par les circonstances, que nous sommes endommagés, que nous ne sommes pas intacts. Il y a des blessures, il y a des choses qui sont brisées en nous. On n'est pas totalement fonctionnel, il nous manque quelque chose, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et c'est un peu comme dans, à cette église, dans le stationnement, le dimanche matin, il peut y avoir des centaines de véhicules. Si tu te promènes dans le stationnement, tu vas te rendre compte que aucun véhicule n'est intact. Quand tu regardes, on a l'air de plein de belles voitures, mais plus tu t'approches, tu vas avoir des égratignures. Tu vas voir à un moment donné, ah, il y a le, le, le pare-choc et est cabossé. Euh, même quelquefois, il y a des choses que tu ne vois pas, mais à l'intérieur, on a tous vécu où le concessionnaire fait un rappel. Donc, moi, j'en ai eu un dernièrement où on a dit, monsieur, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, mais ne stationnez pas votre véhicule à côté d'un bâtiment parce que ça pourrait le faire exploser. Et les choses qu'on ne voit pas, mais personne n'est intact. Job n'était pas intact. La bonne nouvelle, c'est que notre Dieu rétablit, notre Dieu restaure, notre Dieu répare. J'aime beaucoup cette citation qui décrit justement notre besoin de Dieu, notre besoin de restauration. C'est le pasteur John Burke qui dit, Chacun de nous prétend être plus spirituel et plus gentil que ce que nous sommes vraiment. À as plus spirituel, plus gentil que ce que tu es vraiment. Moi aussi. Nous sommes tous engagés dans ce que l'on pourrait appeler la gestion de la dépravation. La dépravation qui est notre besoin de restauration de Dieu. Et derrière la Bible, ce livre-là est un livre de restauration. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, il y a 1189 chapitres. Et sur ces 1189 chapitres, il y en a 1187 qui sont des chapitres de restauration. Seulement les deux premiers chapitres, Genèse 1, 2, tout va bien. À partir de Genèse 3, on voit que l'humanité a besoin de la restauration de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu qui restaure. Un des attributs de Dieu, c'est justement sa nature restauratrice. Dieu est un Dieu qui répare, qui relève, qui rétablit. Il l'a toujours fait, il le fait encore, il veut le faire dans ta vie. Dieu restaure. Et on le voit très bien dans un livre, il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est le dans le livre du prophète Joël, où à l'époque, Dieu a envoyé des sauterelles pour euh, ravager les récoltes du peuple de Dieu, qui, qui s'est détourné de Dieu, qui persévère dans son péché. Dieu va attirer son attention. Et Dieu, dans sa grâce, promet non seulement qu'il va arrêter les sauterelles, mais il dit, je vous restituerai tout ce que les sauterelles ont dévoré. Et dans ma vie, j'ai vu cette promesse à plusieurs reprises. Il y a eu des saisons dans ma vie où les sauterelles ont dévoré des trucs dans ma vie, spirituellement, dans mes, autour de moi, dans mon ministère. Mais Dieu, dans sa grâce, c'est non seulement le Dieu qui arrête les sauterelles, mais le Dieu qui restaure, le Dieu qui restitue ce que les sauterelles ont dévoré. Et ce que nous voyons, c'est non seulement ce Dieu qui restaure, mais le Dieu de la Bible restaure encore. Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Vous savez, il y a, il y a un phénomène, c'était dans les médias il y a quelque temps où euh, il y a des gens qui tentent dans des petits villages où il y a des petites églises, il y a des œuvres d'art, où il y a des gens qui s'improvisent, restaurateurs d'œuvres d'art. Par exemple, en Espagne, dans une, une petite église, il y a une œuvre qu'on appelle Echomo qui veut dire voici l'homme. Et, et en fait, c'est une peinture qui date d'au-delà d'une centaine d'années, une, une peinture de Jésus. Et la toiture de cette église, il euh, euh, y a eu des... Il y a eu des... Euh, il y a eu des, des fuites, je cherchais le mot scientifique. Il y a eu des, des fuites, des inondations, et évidemment, ça a affecté la peinture. Et dans le village, il y a une dame de l'église de 80 ans qui a suivi quelques cours de peinture, qui s'est dit, Hey, je suis capable de faire ça moi, et elle a tenté de restaurer ce tableau. Maintenant, si tu regardes, tu vois sur internet la différence, c'est affreux, c'est pire qu'un enfant de maternelle. Maintenant, le Dieu de la Bible, lorsqu'il entre dans ta vie, il ne rend pas les choses pires, il rend les choses meilleures. Et on le voit avec Job. Dieu le restaure. Et la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Job fait le plus grand comeback de l'histoire de la Bible. Quand on parle de comeback, on veut dire quoi? Il y a des gens, quelquefois, qui vivent des échecs et par la grâce de Dieu, Dieu leur permet de revenir. Exemple. Vous connaissez le boxeur George Foreman? George Foreman qui était champion du monde, euh, qui était invaincu. C'est lui d'ailleurs euh, Rumble in the, in the jungle, le combat en Afrique contre, euh, contre Joe Fraser. Euh, il y a eu vraiment. Comme, il, non, excuse-moi. Joe Fraser était le champion. Il l'a vaincu. Euh, et il a perdu contre Mohamed Ali. Et pour lui, ça a été le début de la fin. Donc, il est revenu, il a eu quelques victoires, quelques défaites, mais il n'a plus jamais été le même. Maintenant. Sa vie a vraiment été détruite par cette défaite. Ce qui est arrivé, c'est que Foreman, dans cette épreuve, a rencontré Jésus, a reçu Jésus. Non seulement il a reçu Jésus, il est devenu pasteur, il a implanté une église, il a fondé un centre qui aide les jeunes. Et 20 ans plus tard, dans les années 90, alors que le centre pour les jeunes, pour sortir les jeunes de la rue, avait des problèmes financiers, il a eu cette idée folle de faire un retour, de faire un comeback. Puis ses amis lui disaient Mais tu peux pas faire ça, t'as as 45 ans, tu vas te battre contre des jeunes de 20 ans, tu es en surpoids, t'es pas en forme, t'es un pasteur, ça marche pas. Et Foreman a commencé à s'entraîner, il y a eu un combat, il est revenu, il s'est battu contre un boxeur de 27 ans, j'oublie son nom, il l'a remporté, et ça a été considéré comme le plus grand retour dans l'histoire de la boxe. Maintenant, au-delà de ses capacités humaines, ce qui a fait la différence, c'est la grâce de Dieu dans sa vie. Job, ce qui a fait la différence, ce n'est pas ses capacités, c'est la grâce de Dieu dans sa vie. Et à toi, par la grâce de Dieu, tu peux vivre un comeback, tu peux vivre un retour. Alors que tu as l'impression que ta vie est dévastée, Dieu est le Dieu qui relève encore. Il le fait pour Job, il peut le faire pour toi. Et si c'est ton cas, dis Amen, j'ai besoin d'une restauration. Mais tu dois savoir, deuxièmement, et Job l'a compris, que la restauration commence toujours par la repentance. La restauration commence toujours par la repentance. Maintenant, on, on, on comprend mal, même les critiques comprennent mal, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est trois choses. C'est une adoration, c'est une admission, c'est une adaptation. Qu'est-ce que je veux dire? Regarde au verset 2. Job commence en disant, je reconnais que tu peux tout. Et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. La repentance, la restauration commence par la repentance et la repentance commence par l'adoration. La première chose que Job va dire, c'est de reconnaître la toute puissance de Dieu et la toute sagesse de Dieu. C'est pourquoi un athée ne peut pas se repentir parce que la, la repentance commence toujours par reconnaître la suprématie de Dieu. C'est pourquoi tu peux aller voir un psychologue. Le psychologue peut t'aider. Mais le psychologue est limité dans ce qu'il peut faire dans ta vie au niveau de la restauration parce que la véritable restauration commence par la repentance et un psychologue ne peut pas t'apprendre la repentance parce que la repentance commence par l'adoration. C'est pourquoi même des religieux, les églises sont pleines de chrétiens qui sont incapables de vivre une véritable repentance au quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la vie chrétienne, c'est pas de la religion, c'est une adoration. La repentance, le changement, la restauration commence comme Job. Job dit, je reconnais. La deuxième chose, c'est une admission. Non seulement il reconnaît, il est en adoration devant Dieu, mais il reconnaît ses limites. Au verset 3, il va dire, oui, j'ai fait part sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Job dit, Seigneur Dieu, j'ai parlé au travers mon chapeau. Le problème... Des chrétiens, de tout le monde, mais je parle des chrétiens ici. C'est que nous sommes des gérants d'estrade spirituelle. Vous savez, un gérant d'estrade, c'est quelqu'un qui n'est pas impliqué, qui pense savoir mieux que ceux qui sont impliqués quoi faire. Hein, moi, je suis un amateur de puis hier, j'ai écouté une partie d'hockey, puis à un moment donné, je vois un joueur du Canadien qui fait Voyons, oh, oh. et là, je suis fâché, mais c'est pas compliqué! Tu fais une feinte comme ça, tu, fais, tu reviens, tu fais une passe, tu fais un tourniquet, tu, après ça, tu fais un but. Voyons, c'est simple. Au basket, c'est la même chose, voyons. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de donkey, voyons C'est simple. Hein? On est des gérants d'estrade, puis on est des gérants d'estrade partout. On est des gérants d'estrade au niveau du gouvernement. Hein? On dit, le gouvernement, puis là, on a des idées au Québec, on a un problème présentement avec un pont-tunnel qui est congestionné. Et moi, je dis, M. Legault, donne-moi le dossier, je vais t'en le régler. Hein? On est des gérants d'estrade. On pense mieux savoir que les autres quoi faire. Puis le problème, c'est qu'on est comme ça partout. Combien hein? de chrétiens? Je dis, hey, moi, si j'étais le pasteur de l'Église, ce serait le réveil. Ou si le patron faisait ce que je dis, ça irait beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'on est des gérants d'estrade par rapport à Dieu. Lorsqu'on chie, lorsqu'on critique, lorsqu'on se plaint, lorsqu'on doute, c'est qu'on est en train de dire à Dieu qu'il ne sait pas ce qu'il fait, que nous, on sait mieux que Dieu ce qu'il devrait faire. Puis en fait, le problème, le péché numéro un, le péché à la racine de tous les péchés, c'est l'orgueil. Et c'est le cas de Job. C'est pourquoi Job se repent. Il reconnaît qu'il a été... Prétentieux. De, de remettre Dieu en question, c'est de l'orgueil. C'est pourquoi c'est le premier péché. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Hein, ça ne dit pas que juste Dieu ne répond pas à l'orgueilleux, que Dieu laisse l'orgueilleux. Non, la Bible dit que Dieu résiste à l'orgueilleux. Et Job a compris que la repentance, c'est une adoration, c'est une admission. Et admettre. Ah, parce qu'on pense souvent que la repentance, c'est juste confesser nos péchés. Oui, mais ce n'est pas juste ton péché, c'est ton attitude derrière ton péché. Et ça, ça fait mal. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me fait mal de me repentir. Si tu n'as pas mal quand tu te repens, c'est que tu ne te repens pas. C'est Tim Keller qui dit que la repentance, c'est comme un, un antiseptique de l'alcool. Lorsque tu as une blessure, tu désinfectes. Ça fait mal avant de faire du bien. Hein, il faut que ça fasse mal avant de guérir. Et lorsque tu te repens, ta confession, ça brûle, mais on sait que c'est une brûlure spirituelle nécessaire qui amène la guérison. Et Job, ça brûle. Ça fait mal de reconnaître qu'on a, qu a fauté. Ça fait mal de reconnaître nos péchés. Mais on sait que c'est la voie vers la guérison. Mais encore une fois, ce n'est pas tout. Hein, beaucoup de chrétiens pensent que c'est seulement l'admission. Non. La véritable repentance, premièrement, c'est une adoration deuxièmement, c'est une admission. Troisièmement, c'est une adaptation. C'est-à-dire, tu dois adapter, tu dois ajuster, tu dois dire, Seigneur, transforme mon comportement conformément à ta parole. Une repentance sans désir de changer n'est pas une vraie repentance. La véritable repentance, c'est non seulement d'être désolé pour le péché, mais c'est une volonté de changer. C'est, Seigneur, change-moi. Cette histoire, tu l'as déjà probablement entendue d'un navire américain qui, à un moment donné, voit sur son radar apparaître un obstacle. Puis euh, le capitaine envoie un message en disant, Maintenant, ici, voici euh, le navire, un navire américain, on vous demanderait de dévier votre position 15 degrés au nord. Et là, à un moment donné, il y a un petit, un petit délai. La réponse de l'autre côté, c'est euh, non. On vous demanderait à vous de, de, de changer votre position 15 degrés au sud. Et là, le capitaine du navire américain, il dit « Non, 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 vous ne comprenez pas là. Je répète, changez votre trajectoire. » La réponse de l'autre côté, c'est comme « On entend très bien ce que vous dites, mais non, c'est vous qui allez changer votre trajectoire. » Et là, le capitaine du navire américain est vraiment en colère. Il se dit « Est-ce que vous savez qui nous sommes ?» Je suis le capitaine du plus grand porte-avions de la flotte atlantique de l'armée américaine. Avec moi, j'ai plusieurs avions, j'ai trois destroyers, et on peut ouvrir le feu et complètement vous anéantir. Donc, on vous demanderait de changer votre position. Dernier message. Et là, à un moment donné, il y a comme un petit silence, puis de l'autre côté, euh, ici, le fort. La réalité, Dieu ne bougera pas pour toi. Dieu ne s'adaptera pas pour toi. Dieu ne changera pas pour toi. La repentance, c'est quelqu'un qui s'adapte, c'est quelqu'un qui dit Seigneur, c'est moi qui vais changer, c'est pas toi qui vais changer, parce que Dieu n'a pas changé. Et Job a compris. C'est pourquoi Job dit Je me condamne et je me repens. Ok, reste avec moi. Ça pour moi, là, c'est le verset le plus fantastique du livre de Job non seulement le plus fantastique, le plus mystérieux. Parce que si t'es comme moi, je me dis, mais Job a tellement souffert, pourquoi Job se repent? Hein, il a tellement souffert, pourquoi, pourquoi se repentir? Pourquoi la repentance alors qu'il y a tellement de souffrance? Et je lisais un article de David Polisson, qui, qui est un des initiateurs du counseling centré sur l'Évangile. Et Je vais te lire ce qu'il écrit. Puis je vais prendre le temps de liste à peu près 90 secondes, OK? Puis, puis je veux que tu écoutes bien parce que ce que tu vas entendre, tu n'entends jamais ça. Tu ne l'entends jamais dans l'Église et tu l'entends encore moins dans la culture. Mais pour le peuple de Dieu, pour les chrétiens qui veulent mettre Jésus au centre de leur vie, tu as besoin d'entendre ce que David Paulison écrit. Voici ce qu'il dit. Et la maladie, comme toute faiblesse ou trouble, est en soi une tentation. C'est pour ça que j'avais eu besoin de se repentir. Que vous fassiez face à une maladie potentiellement mortelle ou que vous vous sentiez simplement mal pendant quelques jours, c'est incroyable ce que cette expérience peut faire sortir de votre cœur. Certaines personnes se plaignent et deviennent grognons avec les gens qui se soucient le plus d'eux. D'autres se mettent en colère contre Dieu, se mettent en colère contre eux-mêmes, contre les autres ou les inconvénients. D'autres prétendent que tout va bien et nient la réalité. D'autres prétendent qu'ils sont plus malades qu'ils ne le sont vraiment et cherchent une excuse pour éviter leur responsabilité professionnelle, scolaire ou familiale. D'autres investissent beaucoup d'espoir, de temps et d'argent poursuivant, médecin après médecin, livre après livre, médicament après médicament, régime après régime, charlatan après charlatan. D'autres essayent de trouver quelqu'un ou quelque chose à blâmer. D'autres continuent leur activité et continuent de faire, 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 alors que Dieu veut qu'ils s'arrêtent et apprennent simplement les leçons de la faiblesse. D'autres deviennent profondément craintifs. Imagine le pire en jouant à des vidéos mentales de leur mort et de leur funérailles. D'autres utilisent leur faiblesse pour soutirer toute l'attention et la pitié qu'ils peuvent obtenir. D'autres se dérobent aux responsabilités qu'ils pourraient assumer, même s'ils ne sont pas à leur maximum. D'autres tombent dans l'excès. Donc, excès de télé, de jeux, de nourriture, d'alcool. D'autres deviennent déprimés. Se sentir mal physiquement devient une occasion de remettre en question le sens, la valeur de leur existence. Et Paulson en termine en disant. D'autres sont trop fiers ou gênés pour demander de l'aide. D'autres manipulent tout le monde à leur portée pour répondre à tous leurs besoins. D'autres contre Dieu, devenant morbidement introspectifs. Wow. C'est brutal mais nécessaire. Parce que ça nous fait réaliser que le, le péché est non seulement là quand, quand ça va bien, mais lorsque nous souffrons, nous devenons vulnérables au péché. Puis tu sais pourquoi on devient vulnérable? Parce que le diable nous murmure à l'oreille qu'on a droit à un dédommagement, qu'on a droit à une compensation. En dernièrement, j'étais au restaurant avec mon épouse pour on a eu un service médiocre. On a attendu, c'était pas bon, c'était mauvais la nourriture. Et on nous a offert un dessert gratuit. Et lorsqu'on souffre, on pense que ça nous donne une certaine carte blanche pour pécher. Lorsqu'on souffre, malheureusement, non seulement on souffre en dedans, mais on pense qu'on a droit à un certain dédommagement. Et on est moins vigilant contre le péché. Hein? Puis on le voit, hein, par exemple, les, les grippes d'hommes. Au Québec, on parle des grippes d'hommes. En Europe, tu ne sais pas c'est quoi. Une grippe d'hommes au Québec, c'est une grippe, c'est la grippe d'hommes. Une grippe d'homme, c'est tellement plus souffrant qu'une grippe ordinaire. Mais non, juste que les hommes, on est plus fragiles. On veut se faire plaindre par nos femmes. Donc, une grippe d'homme, le problème, ce n'est pas la grippe. Le problème, c'est l'homme. Souvent de fois, lorsqu'on vit quelque chose, le problème, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas l'épreuve, c'est pas... notre cœur. Et c'est pourquoi Job se repent. Parce que Job a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Job a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Et Job réalise que sa souffrance n'est pas une permission pour pécher. Wow! Mais regarde la bonne nouvelle. La restauration commence toujours par la repentance, mais elle passe aussi toujours par une relation personnelle avec Dieu. Au verset 5, Job va dire Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Wow! Vous savez, c'est une chose d'entendre parler de Dieu le dimanche. C'en est une autre de voir Dieu agir dans ta vie quotidienne. C'est ce que Job dit. J'avais entendu parler de toi. Il y a plein de gens qui m'écoutent. T'entends parler de Dieu, mais tu ne vis pas grand-chose avec Dieu. Job connaissait des affaires sur Dieu, mais maintenant, son épreuve lui permet de connaître Dieu. Et c'est important de réaliser, peuple de Dieu, que tu peux écouter toutes les prédications du monde. Mais la question, c'est est-ce que tu appliques les prédications? Lorsque j'étais... Euh, mes... En fait, je faisais mes études bibliques, je travaillais dans une usine, puis à un moment donné, il y a un gars qui arrive, puis euh, il dit « Hey, je suis chrétien, je suis fils de pasteur. » Puis hey, j'étais content, deux chrétiens dans, dans, dans la même usine. Puis, puis ce gars-là, il citait des versets bibliques, puis il citait des... C'était incroyable, il citait des psaumes. puis ah, j'étais impressionné par sa connaissance biblique. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ce gars-là flirtait avec toutes les femmes, avait menté, euh, avait pas une bonne éthique de travail, était, était quelqu'un qui était... Qui était hypocrite. Donc, tu peux citer des versets bibliques. Dieu, le jour du jugement, ne va pas te demander combien de versets bibliques tu veux citer. C'est Est-ce que tu pratiques ce que tu connais? Est-ce que tu as pratiqué ce que tu connais? Monsieur, il y a plusieurs années, j'étais jeune croyant, puis il y un homme, il y avait un homme dans l'église, puis cet homme-là était un homme dur. Un homme qui était très dur avec son épouse, c'est un homme qui avait même fait de la prison parce qu'il avait agressé une de ses filles. Je n'entre pas dans les détails. Puis un homme qui, dit, qui se disait chrétien, puis on croit à la restauration, puis on croit que Dieu change, puis. Mais un homme qui semblait pas avoir de changement, un homme qui était très, très dur. Puis un jour, cet homme-là vient me voir, puis il me dit il savait que je, je faisais des études bibliques pour devenir pasteur, puis en voulant m'impressionner, il me disait Tu sais que moi, le jour-delà de mille prédications dans mon bureau, puis à l'époque, je vais, je vais dévoiler mon âge, je m'en parle d'il y a 25 ans, euh, pour avoir des prédications, que ce pas accessible comme aujourd'hui. Donc, tu devais soit à la radio, écouter des prédications, à la radio chrétienne, puis sur une cassette, tu enregistrais, puis il puis les classait, puis c'était un travail colossal. Pas alors que lui se vantait d'avoir des milliers de prédications à la maison, je confesse, dans mon cœur, il y a eu une pensée qui est venue au lieu d'écouter mille prédications, puis d'en respecter aucune, écoute-en un, puis obéis. Job dit « J'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » La restauration, si tu veux vivre la restauration, la vie de Dieu, ça passe par une relation personnelle avec Dieu au quotidien. Il y a plusieurs années, une petite fille de 18 mois, Jessica McClure, qui, qui elle se promenait, elle était dans la cour arrière de sa tante, et euh, il y avait un puits désaffecté qui avait été partiellement bouché, et euh, la petite fille, hein, pratiquement un bébé, l'enfant est tombé dans le puits. c'était un puits très, très étroit. Puis elle a été, la manière qu'elle est tombée, c'est qu'elle avait une jambe en haut, une jambe en bas, puis elle était coincée là, très profondément. Et ça fait les médias, au niveau national, on se disait, OK, il se passe quoi? Parce que ça a pris des heures et des heures et des heures. En fait, je te dévoile le punch, ça a pris 58 heures avant qu'on la sorte de là. Et là, on a tenté, on s'est dit, il n'y a personne qui peut aller, qui peut descendre parce que ça ne fonctionne pas. Donc, on a commencé à creuser des trous mais tu ne veux pas que ça s'écroule. Et lorsqu'on a réussi à, à se rendre à la petite fille, la manière que ses jambes étaient, elle était toute coincée. Puis c'était un moment où il fallait vraiment la sortir de là parce qu'on est en train de la perdre. Et elle était inconsciente. Puis on, on prenait ses signes vitaux. Puis c'était. Il faut qu'elle sorte. C'est une question de minutes parce qu'elle meurt. Et là, le secouriste est là. Puis tente de l'enlever. Puis de la soutirer. Mais il peut pas. Il ne peut pas parce qu'elle est coincée. Quelqu'un en haut qui lui dit, tire fort, tire fort. il faut que tu la casses pour la sauver. Je sais que c'est terrible, okay? je vais juste te répéter l'histoire. C'est-à-dire, il sait que s'il tire, il risque de lui casser une jambe. Maintenant, il n'y a, a aucun endroit dans le monde où casser la jambe d'un enfant, c'est correct. Mais ce secouriste a un choix. C'est soit qu'il la laisse là parce qu'il ne veut pas aggraver puis, puis elle meurt là. Ou il tire, puis il y a un risque de briser, de briser une jambe pour la sauver. Et quelquefois, et ça prend la maturité pour le comprendre, mais quelquefois Dieu va briser des choses dans ta vie pour te sauver. Il y a des gens à un moment donné, il y a des gens qui m'écoutent, tu es dans une situation où tu es en train de mourir. Tu es dans une situation sans issue. Tu es coincé. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu es en train de mourir. Et pour que Dieu te sauve, il doit casser quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi le psalmiste va dire Annonce-moi la joie et la félicité. Les eaux, les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Quelquefois, il y a des épreuves dans nos vies que Dieu permet pour amener la vie. Si tu es un enfant de Dieu, réalise que cette épreuve n'est pas pour la mort, elle est pour la vie. Mais tu peux juste le comprendre. Si, comme Job, tu as une relation personnelle intime avec Dieu, si Dieu est véritablement ton Père, si tu connais vraiment Dieu, si tu es de ces chrétiens du dimanche qui disent Mon oreille a entendu parler de toi, mon ami, tu ne feras pas long feu. Tu as besoin d'être de ceux qui disent Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon oeil t'a vu. Alléluia. Et regarde, il se passe quoi quand Dieu te restaure quelqu'un? Les chrétiens restaurés restaurent les autres. Verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, donc Job se repent, Job a une communion avec Dieu, Job commence à expérimenter la restauration de Dieu. Regarde ce que Dieu va faire. L'Éternel dit à Eliphaz de Temas Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Et là, il va dire Offrez des sacrifices et mon serviteur Job priera pour vous. Et le verset 10, l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il y a un principe spirituel qui est vraiment, vraiment puissant. Les chrétiens restaurés restaurent les autres. Les chrétiens restaurés restaurent les autres. En fait, on, on connaît bien l'adage qui dit que les gens blessés blessent les gens. Les gens blessés blessent les gens. Quand, quand tu vois quelqu'un blessé des gens à répétition, c'est quelqu'un de blessé. Comme un animal, quand un animal est blessé, puis tu veux l'aider, tu veux secourir, il va vouloir te mordre. Il veut se protéger. Et en fait, voici une clé, c'est les amis de Job. En fait, c'est des croyants blessés. C'est des gens qui, comme ces animaux, qui, qui mordent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur quand ils voient Job, l'épreuve de Job. Puis ils se disent, si ça arrive sans raison, il faut qu'il y ait une raison parce que ça peut nous arriver. Donc, ils ont peur de Dieu, ils craignent Dieu. En fait, ils sont sous l'emprise de la religion. Vous savez? Ce livre-là peut guérir, mais il peut blesser. Puis il y a des chrétiens qui. Vous savez, la Bible dit c'est l'épée de l'esprit. Ce livre-là a été donné au peuple de Dieu pour nous défendre. Malheureusement, des chrétiens utilisent la parole de Dieu pour blesser les autres. On se sert de la Bible pour condamner les autres. Et c'est pourquoi ces gens blessés par la religion, en fait, c'est quoi leur problème Pourquoi Dieu dit. Vous n'avez pas parlé correctement, vous n'avez pas parlé avec droiture comme mon serviteur Job. C'est ce que Dieu va leur reprocher. En fait, juste, qu'est-ce que Job a dit correctement? Job a dit un paquet d'affaires qui n'ont pas d'allure en passant. Job, sa théologie n'est pas parfaite. Mais ce que Job a, qu'eux n'ont pas, c'est la repentance. Donc, Job commence sa la restauration. L'autre problème à eux, c'est qu'ils ont une religion sans grâce. Dieu s'est révélé dans la Bible comme étant celui qui est plein de bonté, qui fait grâce à qui il fait grâce, qui fait compassion à qui il fait compassion. C'est pas nouveau. Le Dieu de la Bible, dans ses attributs, c'est un Dieu de grâce. Et ces gens-là qui disent connaître Dieu ne connaissent pas ce Dieu de grâce. Ils connaissent la religion des œuvres, mais ils connaissent pas le Dieu de grâce. Et c'est en ça qu'ils n'ont pas parlé correctement. Et c'est en ça que plusieurs chrétiens dans les églises, ne parlent pas correctement de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de grâce, puis ils ne sont pas capables d'appliquer la bonne nouvelle. Et quand tu reçois la grâce de Dieu, quand tu comprends que la Bible est une bonne nouvelle, tu peux devenir une bonne nouvelle et tu peux faire grâce. C'est pourquoi Job devient un croyant restauré qui va restaurer ses amis. C'est biblique. Jésus va nous enseigner, il va dire, dans notre Père, comment est-ce qu'on doit prier? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça va ensemble. Les gens restaurés restaurent les autres. Les gens pardonnés pardonnent les autres. Jésus va dire un petit peu plus loin dans, euh, dans Matthieu 7, le verset euh, 6, 7. Non, un petit peu plus loin. C'est pas grave. J'ai trouvé la référence. Il va dire, c'est dans Luc, en fait, il va dire ne jugez pas afin de ne pas être jugé. On parle de juger les motifs du cœur. Il va dire ne condamnez pas afin de ne pas être condamné. Exactement le contraire de ce qu'on fait les amis de Job. La Bible dit comme Donnez et l'on vous donnera. Il y a un principe spirituel où les gens restaurer, restaurent les autres. Voici le problème des chrétiens c'est qu'on se voit comme les destinataires des bénédictions et on ne comprend pas que nous sommes des intermédiaires et non pas des destinataires. OK, illustration, parce que là, je pense qu'il y a du monde. Qu'est-ce qu que tu veux dire Moi, j'aime lorsque je commande un colis. Puis je ne pas la compagnie, mais ça commence par amas, puis ça finit par Zone. Okay? On garde une part de mystère. J'aime suivre mon colis. J'aime savoir où est rendu le colis. C'est vrai que n'importe quelle compagnie, on commande en ligne. Puis, je veux savoir où est le colis. Puis, quand le colis arrive à la maison, c'est fini. Et beaucoup de chrétiens voient leur relation avec Dieu de la même manière. C'est-à-dire, on demande à Dieu des bénédictions, Dieu ne les envoie, on les a, c'est fini. Mais la Bible enseigne ça nulle part. Tu pas le destinataire de la bénédiction, tu es le livreur. Tu es le chauffeur Amazon, tu pas le client qui a commandé, tu pas celui qui est le destinataire final, tu es celui que Dieu se sert pour transmettre la bénédiction. Et on le voit avec Job. Job aurait pu être rétabli, mais dit merci, bonsoir, mais non. Quatre fois la Bible parle de serv du serviteur Job. Job a compris que sa restauration n'est pas pour lui-même. Le chrétien doit comprendre que Dieu te sauve pas pour toi-même, que Dieu te bénit pas pour toi-même, que Dieu te restaure pas pour toi-même, que Dieu te libère pas pour toi-même. Dieu te libère afin que tu libères, Dieu te relâche afin que tu relâches, Dieu te restaure afin que tu restaures, Dieu te pardonne afin que tu pardonnes. Les chrétiens restaurés restaurent les autres. Et regarde, il y a deux manières que les amis de Dieu vont être restaurés. D'abord, Dieu va dire offrez des sacrifices. On est dans le contexte de l'Ancien Testament, la région de l'Ancien Testament, et les sacrifices qui sont décrits ici sont très, très coûteux. Ces sacrifices annoncent que pour la restauration, il faut que quelqu'un paye. De la même manière que le colis, moi je ne reçois pas des colis comme ça gratuitement à la maison, il doit y avoir un paiement. De la même manière, ici, la restauration, il y a un, y a un prix à payer, il y a des sacrifices à donner. La bonne nouvelle, c'est que Dieu... Utilise cette histoire pour nous révéler qu'un jour va venir le sacrifice ultime, le plus précieux, Jésus qui va donner sa vie pour payer ta restauration. Mon ami, tu n'as pas besoin de gagner ta restauration. Jésus a payé pour ta restauration. Et non seulement Jésus a payé pour ta restauration, mais l'œuvre de Christ à la croix, elle est tellement suffisante. Elle est suffisante pour toi et pour les tiens. Et en aussi grand nombre que Dieu va mettre des gens sur ta route, puis Christ a payé pour la restauration. Mais regarde aussi. Il dit aux amis, non seulement il, il doit y avoir un sacrifice, parce qu'en passant, le, le pardon et le, la restauration, c'est jamais dans, comme ça de nulle part. C'est toujours sur la base de quelque chose. Donc, la base du sacrifice, la base de l'œuvre de Jésus. Puis il dit deuxièmement, c'est pas tout. Hey, on pourrait dire les sacrifices, c'est suffisant. Non, ça prend un serviteur. Dans notre monde, Dieu veut restaurer. Le sacrifice de Jésus est là. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire, ça prend des serviteurs, ça prend des hommes et des femmes qui sont des agents de restauration, des hommes et des femmes qui suivent Jésus, qui témoignent de Jésus, qui dégagent Jésus, qui annoncent l'œuvre de Jésus. Comment les gens vont connaître la grâce de Dieu? Souvent, c'est par l'Église de Jésus. Donc, il va dire, mon serviteur priera pour vous. Moi, je t'encourage à prier. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin de restauration. Prie. Tu dis, oui, mais pasteur Guetta, moi j'ai besoin de restauration. Mon ami commence à prier pour la restauration des autres également. Puis, pasteur allemand, je veux te donner un petit conseil sur la prière, quelque chose de tout, tout simple. OK? répétez quelque chose que tu sais sur la prière. En fait, l'enseignement de Jésus sur la prière tient à un verset. Jésus va dire en priant ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Tellement, il y a tellement de chrétiens qui ont besoin d'apprendre ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas parce qu'ils sont intimidés par la prière. En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il faut que ta prière soit courte, simple et audible. Jésus dit: ne multipliez pas les vaines paroles. Quand tu pries pour des gens, tu n'as pas besoin de prier pendant 20 minutes pour quelqu'un. Si le Saint-Esprit te dirige, oui, mais Nommer un nom au trône de la grâce en trois secondes avec foi a autant d'impact que quelqu'un qui va juste prier pendant une heure pour prier pendant une heure. Donc, mentionne des noms. Simplement. Deuxièmement, que ta prière soit simple. Jésus dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Des qui ont développé une prière religieuse. On prie pour quelqu'un, puis OK, je te prie pour... Par exemple, Samantha. Ah, je te prie pour Samantha. Alléluia. Alléluia. Ah, Béni Samantha. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom. Samantha, oui. Bénis la Seigneur. Alléluia. Fais ton œuvre, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon ami, il y a trop de vaines paroles là-dedans. Okay? Pasteur Guetta, tu ne crois pas que c'est important? Alléluia. Oui, mais dis-le une fois, crois-le. Tu n'as pas besoin de le dire 17 fois. Pourquoi je le mentionne? Parce que ça devient des prières religieuses qui éteignent notre vitalité dans la prière. Et Jésus dit. Et vaines paroles. Moi, j'ai réalisé quelque chose dans ma vie. Euh, le matin, dans mes temps de prière, euh, toute la famille est couchée, puis je prie dans mon cœur. Puis j'ai réalisé que, dernièrement, le besoin de prier audiblement. Pourquoi? Parce que, à 5 heures du matin, l'hiver au Québec, quand je prie dans mon cœur, à un moment donné, il y a un mélange entre mon cœur et mes pensées. Mes pensées contaminent mon flot de prière. Puis quand tu regardes dans la Bible, puis encore une fois, je crois que si tu pries dans ton cœur, Dieu entend. Okay? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je crois par contre qu'il y a quelque chose, une puissance très pratique d'avoir une prière verbale, d'avoir des paroles, de dire Seigneur, je te prie. Comme quand, comme quand tu parles à un ami, ça va porter. Pourquoi ces quelques consignes? Parce que souvent de fois, on prie peu ou pas, parce que nos prières sont rendues tellement religieuses. Je prie que tu redécouvres la puissance des prières courtes, simples et audibles. Alléluia. Et voici comment tout ça se termine. Verset 12. On retourne dans le livre de Job. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Et quand tu regardes ses brebis, ses chameaux, son bœuf, c'est exactement le double que ce qu'on a vu au chapitre 1. La dernière chose que tu dois savoir sur, est-ce que Dieu peut me restaurer? Dieu peut bénir la deuxième partie de ta vie plus que la première. On voit ici que Dieu restaure Job. Dieu restaure sa famille. Dieu restaure son couple. Je te rappelle qu'il y avait des tensions conjugales. Au début, sa femme lui dit Maudit Dieu et mort », Puis il dit, tu parles comme un insensé. Puis on ne la voit pas dans le livre. Euh, on, je présume qu'il y a eu des tensions. Puis tu dis Pasteur Gaétan, comment tu peux dire qu'il y a une restauration Bien, c'est parce qu'il y a des bébés partout. Donc, je présume qu'à un moment donné, il y a eu une réconciliation. Ça, c'est mon interprétation. Euh, Dieu restaure ses amis, restaure sa santé, restaure ses finances, sa réputation, son influence. Est-ce que la Bible nous dit ce que Job pointe? C'est l'œuvre de Jésus en nous. Jésus a beaucoup plus pour nous que des milliers, que des centaines de bœufs, que de l'argent. Jésus, la Bible nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction dans le lieu spirituel. Jésus a la vie en abondance pour nous. Donc, ne limite pas cette abondance aux choses matérielles. Il y a quelque chose d'abondant en Jésus. Et Dieu reste en Job. Et ce que Dieu fait dans la vie de Job, il fait. Il y a des gens en tant que chrétiens, je connais des chrétiens qui ont moins d'argent en tant que chrétiens que lorsqu'ils étaient païens, mais ils ont une vie plus abondante en tant que chrétiens que lorsqu'ils étaient païens. Je ne dis pas que Dieu t'appelle la pauvreté, je dis juste que ne limite pas la bénédiction de Dieu, ne limite pas la prospérité de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a béni la deuxième partie de la vie de Job plus que la première. Vous savez, chacun d'entre nous, notre vie se résume à deux tomes. Nous avons un tome sans Jésus, un tome avec Jésus. Lorsque tu reçois Jésus, tu passes dans les eaux du baptême, un deuxième livre commence. Maintenant, dans ce deuxième livre, tous ceux qui m'écoutent, qui écoutent-moi bien là, je te promets que la deuxième portion de ta vie peut être plus bénie que la première. C'est rare que je fais ça. Je te promets que la deuxième portion de ta vie sera plus bénie que la première. Si tu es un chrétien, je te le promets. Vraiment, c'est une promesse que je te fais. La deuxième portion de ta vie va être plus bénie que la première. Pourquoi? Parce que la deuxième portion de ta vie va déboucher sur la vie éternelle. Plus il y a du monde, je sais, il y a du monde qui m'écoute. <laughs> Moi, c'est une Lamborghini que je veux. Mon ami, on se reparle dans un million d'années. On se reparle, tu vas reprendre tes paroles. On se repart dans une million d'années. La vie abondante et éternelle que Jésus a pour nous, c'est la meilleure des vies. Et comment tout ça se termine? Quelle conclusion de de, qu'on peut tirer du livre de Job? Permets-moi d'aller dans l'Épître de Jacques. Jacques va parler de Job. Puis voici alors que nous, souvent, et, et j'ai posé la question lors de la première prédication, c'est quoi le thème du livre de Job? Les gens vont dire la souffrance, la souffrance, la souffrance Non, non. Jacques va dire non, c'est pas ça. Regarde ce que Jacques dit. Jacques 5, le verset 10 à 11. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bien heureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu le, la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. » Wow! Jacques dit tu sais une chose qu'on a à retenir du livre de Job, c'est Lorsqu'on persévère dans le Seigneur, c'est pas facile, mais on persévère. Regarde la fin que le Seigneur lui accorda. Puis dit le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Pour Jacques, le thème du livre de Job, c'est quoi C'est que le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Et à toi qui souffres présentement, je termine là-dessus. À toi qui souffres, je veux pas que tu sois dans le déni. Je veux pas être dans le déni. Je veux pas te donner une prédication tu sais, du, du, du positivisme. Ça va bien aller, non moi, je pense que c'est important d'être réaliste, et lorsqu'on est réaliste bibliquement, on est plein d'espoir bibliquement. Mais à toi qui souffres, à toi qui, qui, qui ne vis pas ta restauration, à toi dont la famille, le couple, les finances, peut-être même ton église, ton cœur est ravagé, dis-moi, j'attends la restauration. Comment est-ce que je peux dire que ce Dieu-là est plein de compassion et de miséricorde? Premièrement, est-ce que tu as ce Dieu-là? Est-ce que ce Dieu plein de compassion et de miséricorde est ton Dieu? C'est juste une manière de l'avoir. C'est par Jésus. Une manière. Il y a un seul médiateur en Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et vous savez, au Canada, on a un pain qu'on appelle le pain tordu. Okay? PIN, un arbre. Et euh, dans ces arbres, il y a des cocottes. Et ces cocottes sont extrêmement dures à ouvrir. En fait, on ne peut pas les ouvrir. Ces cocottes, ne s'ouvre seulement lorsqu'il y a une chaleur très, très, très intense. On peut se poser la question, mais pourquoi Dieu, dans, dans, dans sa providence, lorsque Dieu crée la nature, pourquoi une cocotte si, si ferme, si difficile à ouvrir? Parce qu'on sait que la cocotte, lorsqu'elle s'ouvre, il y a des semences qui sont libérées, puis il y a d'autres pains comme ça, puis c'est comme ça que, que le, 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 les arbres se propagent. Voici pourquoi. Parce que ces pins ont été placés à un endroit très particulier, propice au feu de forêt. Et lorsqu'il y a un feu de forêt et que tous les pins sont brûlés, la seule chose qui reste, c'est les cocottes. Et lorsqu'il y a un incendie de forêt, la chaleur est très intense et c'est là que les cocottes vont s'ouvrir. Puis en fait, dans les cocottes, Dieu a prévu une semence de vie. Lorsque tout est ravagé, le feu qui ravage est le Dieu qui donne naissance à la vie. Parce que les cocottes s'ouvrent, il y a des semences qui sont libérées et les premiers arbres qui vont repousser, ce sont ses pains. Dans le feu de l'épreuve que tu vis présentement, tu as l'impression que le feu ravage tout. Dieu a une promesse, Dieu a une bénédiction, Dieu a une semence qu'il a déposée dans ta vie afin que du feu de cette épreuve jaillisse la vie. Cette épreuve n'est pas pour la mort, elle est pour la vie. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as Jésus, si le Saint-Esprit est en toi, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Cette épreuve prend courage. Le feu ne sera pas éternel pour l'enfant de Dieu. Et de ce feu, Dieu a la capacité d'en faire jaillir une restauration, d'en faire jaillir des bénédictions. Mon ami, accroche-toi à Jésus, relève la tête, prends courage. Demeure ferme comme Job, dis Seigneur, rends-moi ferme comme Job. Et tu verras, Dieu demeure fidèle. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, je t'invite à nous écrire à info à commercial église le .com. et un membre de notre personnel te contactera dans les plus brefs délais. Et cette invitation est aussi valable à toi qui vis des défis des souffrances ou bien qu'il y a une requête quelconque, n'hésite pas à nous écrire, on va prendre le temps qu'il faut avec toi. Et en terminant, je vous dis merci, merci de votre soutien, merci de votre soutien dans l'œuvre de Jésus. Elle continue de sauver et de transformer des vies encore aujourd'hui. Votre soutien est important et contribue à notre ministère qui est d'aider tout le monde à découvrir comment tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez faire directement un don via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don avec un S à commerciale-portail.com. Au nom de toute l'équipe, passez une belle semaine.